Inoxtag a enfin fini son ascension vers l'Everest et je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Bon, sauf si vous habitez dans une grotte, le youtubeur Inoxtag de 7,6 millions d'abonnés s'est lancé comme défi de gravir le mont Everest et d'ensuite reposter ça sur sa chaîne YouTube sous forme de documentaire valant plusieurs centaines de milliers d'euros. En vrai, Webedia sur ça, ils m'ont bien aidé avec les marques parce que c'est pas facile de trouver genre des sommes de zinzin pour une vidéo, tu vois. Genre c'est une vidéo. Oh. Et il y a plusieurs marques dessus, donc en vrai, ça va être... À partir de maintenant, je me déconnecte pour vivre l'aventure à 100%. Il n'y aura plus de story Insta, il n'y aura plus de vidéos. Pendant quelques temps, vous verrez plus ma tête. Moi, Joey. Ciao. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance qu'a Internet. Car en effet, des utilisateurs ont trouvé une application permettant de retracer à peu près les parcours d'Inoxtag. Cette application s'appelle Strava. Quand on regarde les photos mises sur le post, on peut voir qu'elles correspondent exactement avec celles que Mathis Dumas avait postées sur Strava. Nous confirmons donc que oui, Inoxtag a enfin réussi ce défi. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Comme Poisson Fécond le dit, le plus compliqué, c'est souvent la descente.